J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester du maquillage bio. Donc j'ai trouvé deux marques qui font de la cosmétique bio. La première c'est Avril. Avril c'est une marque de cosmétique bio française. Elle n'est pas très connue parce qu'elle ne fait pas vraiment beaucoup de publicité en fait. On la trouve souvent sur les coopératives bio, quelques ventes privées sur internet, mais c'est pas très connu. Ça existe depuis 2012, donc c'est une entreprise assez récente et ils font beaucoup de produits à moindre coût, donc ça varie et c'est toujours des prix ronds. Donc vous trouverez pas 1,80€ mais vous trouverez 2€. Vous trouverez 3€, 4€. Voilà, donc c'est des prix ronds et j'ai trouvé ça super bien comme concept parce que ben c'est très facile à calculer. J'ai trouvé une deuxième marque qui est Couleur Caramel. Couleur Caramel, c'est une marque française qui existe depuis peu de temps aussi, comme Avril. Ils sont certifiés EcoCert et bio. Vous les trouvez en grande surface, mais surtout dans les biocoop. Je l'ai trouvé moi chez Botanique, ils avaient un rayon exprès cosmétique bio et j'ai trouvé la marque Avril et j'avais trouvé aussi la marque Couleur Caramel. Donc voilà, donc on va voir ensemble tous ces produits. Donc j'ai acheté un ensemble pour faire un maquillage complet. Il y a quelques petites choses que j'ai pas trouvées comme le fond de teint par exemple. J'en ai pas pris, on prendra une bébé crème classique que j'ai l'habitude de mettre. Donc voilà. Alors j'ai hydraté ma peau et on va passer à la base. Donc la base de teint c'est celle-là, donc de chez Avril. Elle est formulée pour mettre en dessous le maquillage. Ça lisse et ça hydrate la peau. Donc on va tester tout ça. C'est la première fois que j'ai pas du tout testé cette gamme de produits. Donc on va faire tout ça ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Ça sent très bon. Donc, on voit que ça hydrate pas mal. Elle est facile à appliquer. Donc tout ce qui est produit bio, en fait, c'est des produits naturels. Vous n'avez pas de silicone, parabène, parfum, conditionneur. C'est une gamme 100% naturelle. Avril. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, hein, les tarifs et tout. Et puis au fur et à mesure, je vous montrerai les produits avec les tarifs qui correspondent. Voilà. Donc ça floute pas les pores. Hein. Ça hydrate. J'ai l'impression que c'est juste une base pour hydrater. Voilà. Ou peut-être pour la tenue aussi du maquillage. On verra bien. Ensuite, on va utiliser la bébé crème de chez Yves Rocher. Donc, j'y prends une petite éponge de chez Beauty Blender. C'est pas ça qu'on va tester le plus. C'est surtout le reste du maquillage. J'adore ce bébé crème, elle sent super bon. Ensuite, bon, j'ai pas trouvé non plus d'anti-cerne bio, donc je vais utiliser le mien. Donc c'est le concealer de chez Tarte. Donc pour le concealer, on en met très peu. Moi j'en mets juste 3 points dans la cerne uniquement. Là on prend le petit embout pointu. Et avoir un aspect un peu plus lumineux au regard. Voilà. Vous pouvez en mettre sur le nez pour enlever un peu la rougeur du nez parce que j'ai tendance moi à bronzer rapidement du nez. Voilà. Alors j'ai trouvé une poudre de chez Avril. Donc c'est la marque, c'est la teinte porcelaine. Alors c'est très poudreux, je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment fou. C'est une poudre libre, donc la poudre elle va vous permettre de matifier un peu le teint.
Voilà. Donc on en met surtout sur les zones qui brillent. Donc c'est le nez, le menton et puis le front. On en met aussi sur les joues pour fixer le teint. Voilà. Donc j'ai trouvé un fard. Donc j'ai fait un peu exprès, j'ai trouvé un fard parce que le blush j'ai pas trouvé. J'ai pris un fard, c'est la teinte noisette irisée. Donc je vais aussi me le mettre sur les joues. Mais vraiment un tout petit peu, juste pour donner un peu de lumière. Voilà. Quand on n'a pas tout le maquillage, on bricole. Donc on en met un petit peu, c'est juste pour donner un peu de contraste là. Réchauffer un peu le teint. Vous pouvez un peu en mettre en contouring aussi comme ça. Voilà. La poudre, franchement, elle fait bien son effet. Elle lisse bien. Parfait ça. Je suis contente. Ok, donc on a fini le teint. Vous voyez ce que... Je suis assez contente, il est assez lumineux et franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On reprend le même qu'on a utilisé pour faire le blush. Donc je prends un petit pinceau, donc c'est toujours le 231 de chez Zoeva. Alors, c'est assez poudreux, on va faire attention. Et un bon contraste, il est irisé donc il a un peu des tons dorés. Il est vraiment très bien. Si vous voyez, c'est pas mal. Un mascara, donc c'est numéro 71. C'est un mascara volumateur. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, le packaging il est très sympa. Pour un produit bio, franchement, il est très joli. En fait, c'est un espèce de carton, je crois que c'est en carton. C'est même pas en bois, c'est en carton. On va voir à l'application ce que ça donne. C'est sympa. Ça me plaît bien. Nickel. On va faire les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai trouvé deux crayons rouge à lèvres. Donc j'en ai pris un foncé. Alors je l'ai déjà testé celui-là. Il est très foncé, il est sympa. Et j'en ai trouvé un peu plus clair. Il est vraiment beaucoup plus clair. Par contre, j'ai trouvé aussi, et c'est celui que je vais mettre, c'est un petit gloss pareil. Un peu, il ressemble un peu au mascara, la teinte elle est entre les deux et j'ai trouvé le crayon à lèvres qui va avec. Alors pourtant c'est pas la même marque, là c'est de chez Sobio et on a le gloss. Donc on va commencer par mettre le crayon à lèvres et le petit gloss. Je pense que je vais faire un mélange des deux parce que la teinte là elle est très claire, je trouve. Par contre, il sent pas bon, j'aime pas l'odeur. Il est très crémeux, il est mat. C'est pas évident de parler en mettant du rouge à lèvres. Donc, je vais voir ce qu'il est, comment il est. Il est assez clair. On dirait qu'il est pâteux. Il me plaît pas. Il me plaît pas du tout celui-là. Pourtant, à la couleur, on aurait dit qu'il pouvait être très joli, mais finalement, il me plaît vraiment pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un peu plus foncé et on va foncer tout ça.
Ouais, on essaie de rattraper comme on peut. Hein. Et dernière chose que je ne vous ai pas parlé, mes ongles, je les ai fait aussi avec un vernis à ongles bio. Là, donc là, c'est le So Bio Éthique Naturel. C'est la la couleur Vibrant Corail. Je l'avais déjà mis quand je l'ai reçu parce que ben, j'adore le vernis et puis j'aime bien tester. Je le trouve bien. Il est assez liquide. Il a une contenance de 10 ml, donc franchement, vous pouvez en faire beaucoup. Il s'applique très très bien et il tient bien. Et je trouve que la couleur, franchement, elle est très flashy. J'ai mis qu'une seule couche, vous n'avez pas besoin d'en mettre plusieurs. Et elle marque bien. Sur le maquillage bio est terminé, ben, ma foi je suis assez contente du résultat. Mis à part la couleur du gloss qui me plaît pas vraiment. Sinon le reste franchement faut voir après à la tenue du maquillage durant la journée. Mais je suis assez contente. Donc c'est des produits que vous pouvez donc trouver soit en grande surface, soit dans les magasins spécialisés, ou même sur internet, hein, chez Abril même vous pouvez commander, chez Couleur Caramel aussi vous pouvez commander en direct, ce sont à des prix assez abordables pour du bio je trouve, parce qu'il existe pas mal de gammes en produits bio au maquillage qui sont ma foi très élevées et payer un vernis à ongles plus de 15 €, et ben, ça fait un peu mal, pareil pour des poudres ou pour autre chose, voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. À bientôt, bisous!